Bonjour la famille, c'est Gilmas, toujours chronique de Nest TV. Merci, merci, merci pour être là. Merci pour me donner votre écoute. Merci aux gens qui vont partager la vidéo. Merci d'avance aussi aux personnes qui vont liker la vidéo. J'ai dit aussi également merci aux nouveaux venus, à ceux qui vont prendre le temps de s'abonner à la chaîne ici de chronique de Nest TV. C'est moi Gilmas, comme je vous ai toujours dit, j'ai fait des analyses organiques, des analyses justes. C'est pour cela que beaucoup de gens m'ont toujours appelé encre correcteur. D'autres, puisque j'amène que de la réalité, que des vérités, ils m'ont toujours appelé ange de lumière. Alors, comme le titre le dit, je vais aller juste droit au but. Puisque moi, dans la chaîne ici, je ne blague pas. Il y a des... La fois passée, Fally Ipupa a dit que celui qui veut réussir dans la musique, qu'il puisse les consulter, puisque c'est lui qui a les secrets de la musique. Et il dit le secret, c'est de chanter l'amour. Et il a donné la façon, toutes sortes de catégories d'amour. Mais moi, j'ai écouté le monsieur, j'ai eu honte de voir que un monsieur comme Fally Ipupa n'a jamais eu honte de dire seulement vraiment sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision que lui, il est toujours comme ça, il est toujours le premier d'atout. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui sait tout. Moi, je me pose des questions. Vous, les journalistes qui interviewez Fally, vous, est-ce que vous réfléchissez vraiment? Est-ce que vous avez du temps à écouter ce que Fally est en train de dire et poser-lui vraiment des questions fiables? Nous avons d'abord, quand il dit que c'est lui qui sait chanter l'amour, c'est lui qui sait chanter, il connaît les secrets. Nous avons des gens qui ont chanté, mais un monsieur en Côte d'Ivoire s'appelle Daouda. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Des chansons comme ça sont des chansons amoureuses que Fally ne pourra en aucun moment composer. Fally sera incapable même de chanter de telles chansons. Dieu créa l'homme, de l'homme est venue la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Est-ce que de telles chansons vraiment, ce ne sont pas les chansons d'amour? Quelle sorte de secret Fally veut donner aux gens, secret d'amour que les gens n'ont pas encore chanté? Les chansons que je viens de chanter ici, ce sont des chansons qui sont datés vraiment des années. Peut-être de 50 ans, je pense. Je ne sais pas quand les chansons étaient composées. Mais les chansons-là sont toujours jusqu'à aujourd'hui. Ta façon d'aimer, jaloux, 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 jaloux. Mais tu es trop jalouse. Une chanson pareille de notre vieux grand-père Samangwana. Le monsieur ici, Fally Ipupa, un monsieur, j'ai toujours dit, il a bâti son empire, sa carrière autour du mensonge. Et puis, il a créé des petits bandits, des petits démons sur les réseaux sociaux pour appuyer ces mensonges-là. Est-ce que Fally peut composer des chansons d'amour comme Koffi Olomide? Qu'on se dise d'abord la vérité. Est-ce que Fally est capable de composer comme Koffi Olomide? Mais c'est l'amour, c'est Koffi Olomide. Il sait chanter aux femmes cœur brisé. Il sait chanter toutes sortes d'amour. Koffi a chanté l'amour depuis que moi j'ai connu Koffi Olomide en train de chanter l'amour. Et puis ce n'est pas le petit amour. Lui, il fait des poèmes, il fait des poésies. Mais quelle sorte de musique, quelle sorte d'amour que Fally peut chanter qui va étonner les gens? Quelle sorte de chanson que Fally peut nous donner? Et puis on a les chairs de poule. On a dit ça, ce sont des nouveaux mots qu'on n'a jamais écouté dans la musique. C'est quelle chanson? Je ne sais même pas si Fally pourra nous donner une chanson comme Ma Chantal, Chantal Suzerland de Kwerason. Ça, c'est une chanson qui a été tellement travaillée. Celui qui connaît l'amour, celui qui connaît la poésie, celui qui connaît la musique. Chantal Suzerland de Werason, ça c'est une chanson fétiche. Mais est-ce que Fally a une chanson pareille? Combien de chansons Fally a qu'on peut dire ça sont des chansons vraiment emblématiques, les chansons, le tube? Il n'a aucun tube, il n'a aucune œuvre. Je ne sais même pas de quoi Fally parle quand il nous relate de tels bobas sur les réseaux sociaux.
Et puis, les gens applaudissent. Même les Waro, eux-mêmes, ils savent qu'il y en a fallu pour nous donner une chanson quand même. Avec toi, j'avais appris à pardonner. Ça, c'est une africaine qui a chanté. Son nom, c'est Zambo, quelque chose, Zambo, du Cameroun. Il y a des chansons qui sont là, les chansons d'amour, qui sont seulement, qui parlent elles-mêmes. Les chansons-là parlent d'elles-mêmes. Mais Fally, tellement qu'il est arrogant, un vagabond, un délinquant, une bouche qui ne contrôle pas les mots avant de les balancer. Celui qui va dire que celui qui connaît chanter l'amour, celui qui est le numéro un, celui qui a le secret de chanter. Toi, tu as quel secret, Fally? Quel secret tu as à part à faire des fétiches? Toi, tu as quel secret? Qu'on puisse parler d'abord un à un, bouche à bouche. Fally, moi, je te mets à défi. Amène ta bouche ici devant moi, devant les micros, que je puisse te poser des questions. Si tu ne vas pas t'élever puis fuir. Puisque je vais te parler, je vais te mettre à ta place. Toi, tu n'es pas un monsieur qui peut nous parler de l'amour. Tu ne connais aucune chose de l'amour. Tu as une femme ici. Tu as des femmes ici qui circulent partout. Je ne vais pas entrer dans les sujets là. Parmi les gens qui ont chanté l'amour, nous avons connu un monsieur comme Frédéric François. Il nous a donné des tubes, des chansons d'amour. On a connu les chansons avant de connaître la personne même. Julio Iglesias, on a connu ses chansons avant de connaître la personne même. Mais toi, Fally, les gens te connaissent. Mais les gens ne connaissent même pas tes chansons. Il y a des chansons que les gens pensent que ce sont tes chansons, mais ne t'appartiennent pas. Beaucoup de chansons, les gens pensent que ce sont des chansons de Fally, mais ce ne sont pas ces chansons. C'est pour cela que beaucoup de musiciens sont tombés victimes des mensonges de Fally Ipupa. Fally fait se passer toujours comme celui le donneur de leçons. Il veut passer toujours devant les gens, se faire comme si c'est lui qui est le meilleur. En réalité, c'était tonneau vide. Est-ce que Fally s'est composé? Quand il nous montre, il est dans des studios. Tous les musiciens, ils passent dans des studios pareils comme ça. Et aussi, ils travaillent comme Fally. Ce n'est pas Fally seul qui va dans des studios. Tous les musiciens font la même chose dans des studios. Il n'y a aucune chose de spécial que Fally fait, que Jibin Piana, Kofi Inosbi ne peut pas faire. Jamais. Ce sont les mêmes choses. Et puis, je vous mets à défi. Fally, il ne peut en aucun cas travailler une chanson la façon dont Inosbi travaille une chanson. C'est impossible. La façon dont Inosbi travaille les chansons, la façon dont Inosbi nous amène des chansons, il y a toujours des surprises, quelque chose de nouveau dans les chansons d'Inosbi. Et puis toutes les chansons d'Inosbi, ce sont les chansons éducatives. Parle, mais Cap Fally chante comme service. Ça, c'est quel, est-ce que service, c'est chansons d'amour? Quand ça parle seulement de lit, femme au lit, c'est ça l'amour pour Fally? La chanson comme un coup, c'est ce que vous appelez amour, chanson d'amour. Pendant qu'il y a des chansons comme Rue d'amour de Koffi Olomide, il y a Mulerengo, mais je vais stopper. Koffi, toutes les chansons sont des chansons d'amour. Et puis, ce sont des chansons vraiment bien tapées, bien travaillées, bien faites, avant de les exposer aux gens. Fallait toi t'exposes les gens, les chansons qui ne sont pas faites, bien faites, les chansons qui ne sont même pas bien cuites, les chansons qui n'ont pas d'âme, les chansons qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas de ventre. Ce sont les chansons de Fally Ipupa. Et puis c'est le monsieur là qui veut se battre la poitrine. Il s'amène devant les gens, se faire nous donner les leçons morales comme si c'est lui qui connaît tout. Monsieur Fally, tu as été formé, fabriqué par Koffi Olomide. Tu n'as jamais été chanteur. Tu es connu comme un danseur. C'est Kofi qui t'a formé, qui t'a façonné pour te faire un chanteur. Et puis jusqu'aujourd'hui, tu ne chantes pas bien. Tu n'es pas beau chanteur. Tu chantes bien, mais tu n'es pas comme Ferrego. Tu chantes bien, mais tu n'es pas comme Inosbi. Tu chantes bien, mais tu n'es pas comme Ericho Atanabe. Il ne faut pas te frapper la poitrine que tu n'as même pas. Tu as une poitrine de femme. Et puis, c'est la poitrine là que tu amènes sur les réseaux sociaux. Moi. Et puis, tu n'as même pas la langue. Tu ne sais même pas parler. Un artiste qui ne sait même pas contrôler
sa façon de parler, ne sait pas comment se tenir devant le monde. Il ne sait même pas contrôler les mots. Et puis c'est toi qui veux donner les gens, ou tu veux donner aux gens une morale. Regarde la façon dont Koffi Olomide parle à la télévision. Un homme qui est riche mentalement, spirituellement, physiquement, Koffi Olomide, quand il parle, vous avez besoin de l'écouter jusqu'à la fin. Mais quand il nous donne des chansons, ce sont des chansons mythiques. Prends une leçon, il faut étudier et regarder la manière de Koffi Olomide, la façon dont il communique avec les gens. Il faut Melamai, Melamai, tu n'es pas là où tu te crois être. Est-ce que tu as déjà assisté Inosbi à la télé? Fallait est-ce que tu as déjà regardé Inosbi à la télé en train de parler? Tout le monde, il n'y a aucune personne qui a déjà contredit Inosbi. Inosbi, quand il parle, c'est comme c'était un jeune, mais avec la tête d'un vieillard. Quand il parle de la sagesse. Il nous donne que de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance. Mais toi, quand tu passes à la télé, tu veux te faire comme un donneur de leçons, comme un professeur, pendant que tu n'es même pas parti à l'école. Tu as fait quelle école, Fali? Quelle sorte d'amour toi tu chantes? Si tu n'es pas intelligent, assez intelligent, tu penses que tu as les mots capables de convaincre les gens, de prouver les gens que toi tu connais l'amour? L'amour, c'est de la poésie. Il faut savoir parler. Écoute la chanson Top Model de Inosbi pour que tu puisses comprendre l'amour. Écoute la chanson Mur de Inosbi pour que tu puisses nous parler, venir avec vos blabla sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de musiciens. La chanson comme 13 ans de Werason. La chanson comme 48 heures de G. Coco. Il y a des chansons d'amour que Fallait ne saura même pas chanter. Beaucoup, les musiciens congolais, je ne veux même pas aller à l'extérieur, c'est mal les musiciens congolais qui sont là, même les musiciens de ta génération, ils ont tellement de meilleures chansons. Fali, depuis que tu es né, musicien, tu vas grandir, tu vas mourir, en aucun cas tu feras une chanson comme Regarde-moi. Ça aussi c'est une chanson d'amour. Maintenant, regarde la façon dont Fer a chanté la chanson là. Regarde la manière dont il nous a emballé dans l'amour de Regarde-moi. Toi maintenant tu es là, tu ne nous donnes que des génériques, des chansons que tout le monde connaît. Il n'y a aucune chose de nouveau. C'est toi qui veux donner aux gens leçons morales. Assis-toi Fali, prends tabouret, il faut écouter la vidéo ici du début jusqu'à la fin. Moi, je suis le correcteur, je suis le bic rouge. Quand il ment, je vis avec des contre-attaques. J'ai dit la chanson d'Aouda. C'est une chanson, la femme de mon patron, elle est tombée. Écoute la façon que quelqu'un a chanté, jusqu'à ce qu'il a fini la chanson. Même la chanson Premier Gaou, ça c'est la chanson d'amour, déception. Est-ce que tu peux nous donner une chanson pareille même? Une chanson comme ça là. Écoute Aïcha, 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 écoutez-moi. La chanson comme ça là. Est-ce que toi tu peux faire de telles chansons? Je suis parti trop loin, je vais te tuer avec des passés inutiles. Notre grand-père Bozi Boziana, il y a des chansons comme Mitsuri, La Reine de Saba, Mejemela. Il y a la chanson ici. Bozi Boziana a des chansons. J'ai écouté une de ses chansons aujourd'hui, j'étais ému. Bozi Boziana a des chansons. Tchala. Tchala, moi. Tchala, c'est lui. Fali, si on commence à feuilleter les chansons des musiciens, on va aller aux Big Stars, Shock Star, Grâce à Iko. Il y a des chansons, hein, Fali. Avec ta bouche longue là. Tes dents que tu ne brosses pas avant de passer sur les réseaux sociaux avec tes courtes dents là. Il faut savoir te contrôler quand tu passes sur les réseaux sociaux. Nous là, nous connaissons la musique. Nous ne sommes pas des musiciens, mais on sait qui a fait quoi et qui fait quoi. Et qui est qui? Et qui était qui? Tu sais, si toi tu connais la musique, tu connais les secrets de la musique, alors un monsieur comme Emener, il nous a amené une chanson comme Nzinzi. Tu peux faire la chanson comme ça? C'est quelle sorte d'amour? Toi, tu veux parler de quel amour? Il y a d'abord la chanson comme Préavis. Préavis de Emener. Pensa Préavis.
Ngana kobo ya te, bimi sangana ndako, ndako na yo moko, okomi na mbongo, ngana komi mabe, c'est la loi de la nature. Fali, oza eloko te, makelele ya pamba, tika belobela, nazoye la yo partie 3, partie 2 soki kozala, partie 3 kozala, pe 4, pona la kisaba peti na yo wana, ke baza eloko te. Et puis, on va finir ça avec toi. 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 Parce qu'il faut que tu aies détruit. Parce que tu as détruit la valeur de nos aînés, la valeur de tes collègues musiciens. Tu dis que toi, tu connais les secrets. C'est quel secret que toi, tu connais? Ibrahim. Ibrahim demande à chanter. Toi, tu connais l'amour. Abonnez-vous, partagez la vidéo, je vais m'en aller. Bye.